Bonjour, mon Omar. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux faire dans le soir? Nous pouvons aller au Starbucks. Oui. Temps plus tard, Julie parlait avec Antoine de ce qu'ils vont faire vendredi. Et ils sont partis et c'est qu'il va la chercher à la maison dans la nuit pour aller à le tournoi. Vendredi? Nous pouvons aller à un tournoi. Très bien. Je viens te chercher à 5h30, c'est bien? Oui, très bien. Très bien. Antoine, oui. Laisse le portable. Oh, Juliette. Pardon, Juliette. Qu'est-ce que tu veux que je te demande? Un macchiato au caramel, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous me donner un macchiato au caramel et un cappuccino au caramel, s'il vous plaît? Bien sûr. Sera 100 pesos, s'il vous plaît. Oui. Antoine enregistre une vidéo. Juliette se rend compte que quelque chose s'est passé dans sa relation parce que Antoine est toujours au téléphone et il ne parle pas comme avant. Antoine, s'il vous plaît. Marie, je ne sais pas quoi faire avec Antoine. Il ne m'écoute et il est toujours sur son portable. Je sens que quelque chose s'est passé et il ne veut pas me le dire. C'est trop bizarre. Je veux toujours qu'il télécharge des vidéos avec vous et dites qu'il aime toi beaucoup. Au moment où il termine l'enregistrement, il ne fait pas ma attention à moi et il restait sur portable. Je pensais qu'il ne le fait que pour enseigner à ses amis qui elle est avec moi. Parlez-lui parce que je sais que vous n'êtes plus aussi heureux avec lui, je ne veux pas qu'il vous fasse de mal. Je lui donnerai jusqu'à demain dans le tournoi pour me montrer qui il s'est aimé de moi. Ou je vais mettre fin à la relation. Silence, s'il vous plaît. Ok, lui parler et alors vous me dites. Ok, d'accord. J'ai oublié mon sac à dos. Oh! Salut! Salut, Antoine! Bonsoir! Juliette, descendez là! Salut, Antoine! Salut! Jusqu'à quelle heure me donnez-vous la permission de ramener Juliette chez elle? Antoine a promis de ramener Juliette à la maison au moment où il était d'accord avec sa mère. À 7 heures. Très bien. Bonne chance, gagne le tournoi. Merci. Merci. Antoine, tu as vu quand j'ai joué au foot? Avez-vous joué au foot? Oui! Antoine, lisez le portable! Les parents d'Antoine et Julien sont informés de l'accident et ils sont emmenés à l'hôpital dans une ambulance. Au cours de la nuit, Antoine et Julien ont été passés en revue pour exclure tout ce qui pourrait leur arriver. Antoine ne s'est pas foulé les poignets et les coups, mais Juliette, elle était plus sérieuse. Elle avait une entorse au poignet au deuxième degré.
une cheville, une fracture et une entorse au deuxième degré. Bonjour. Pardon Juliette, c'était de ma faute. Antoine, ne sais pas c'est rien, c'est peut-être un accident. Oui, je sais, mais tout est arrivé parce que j'ai eu le téléphone. J'étais censé protéger votre vie quand je ne le faisais parce que c'était facile pour moi de prendre le téléphone et que ce n'était pas très grave. Sérieusement, ce n'était rien Antoine. La bonne chose est que nous sommes bien et vivantes. Et ce que je t'ai dit avant l'accident, c'est parce que ce dernier temps, je me suis senti éloignée. J'ai demandé excuses aussi et que je suis un peu distante et que ce n'était pas correct. Je t'aime beaucoup et tu es très importante pour moi. J'espère que tu peux me pardonner. Je t'aimais aussi. La bonne chance est que ce n'était pas quelque chose de pas grave. Nous pouvons se récupérer en quelques semaines. Oui, et je vous promets que je ne serai pas sur le téléphone portable longtemps. D'accord. Nous vivons actuellement dans un monde où la technologie a fait un grand pas dans l'histoire. La majorité de la population mondiale a un smartphone, car cela vous aide dans beaucoup de choses. Parce que des adolescents âgés de 12 à 18 ans, des études sont réalisées dans lesquelles la plupart ou à moins plus de la moitié d'entrée ou dépendante de leur téléphone portable. Cela devient un problème grave car maintenant tout est des ressources sociales. Sixth. Da. Oui.